what we did was for the first time delivered a lung, a donor lung for transplant by drone. And the important achievement here was the ability to fly a drone in a highly populated downtown area. Autant la distance que la complexité de l'environnement. Donc, en utilisant un plus petit drone, hein, l'idée, c'était de démontrer qu'on peut faire un transport d'organes de façon automatique, avec supervision humaine, évidemment, dans un environnement urbain complexe comme le centre-ville de Toronto.